Je vous assure que j'étais bien coiffée. Hein. Il y a 2 minutes, on était dans un supermarché. Salut, j'ouvre ce vlog très, très, très tardivement. Merci bien. Et encore, c'était... Bon, vu l'heure, je comptais pas du tout vlogger. Aujourd'hui, bah, ça a été grosse relâche pour moi. Je suis d'ailleurs en réflexion avec moi-même. Il est quand même pas au courant, il est en train de mettre de l'essence. À savoir, est-ce que ma pause, je la ferai pas maintenant parce que j'ai vraiment l'impression de tourner en rond sur tout ce qui est vlog, choses que je fais à la maison, d'autant plus que là, j'étais pas mal dans, vous avez vu, je fais ça au niveau aménagement, réaménagement. Et bah, j'ai un petit coup de mou. Ce soir, on est invité à un apérotinatoire. Ça va nous faire du bien. Ça pue l'essence. Mais voilà, donc au moment où je vous parle, je ne suis absolument pas certaine. D'ailleurs, j'avais vlogué, c'était hier avant-hier. J'étais mangée chez ma maman, j'avais commencé à vlogger. Et bah non, vous voyez, il n'y a plus de motivation. Je dis non, en fait, c'est creux, c'est plat, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc bah, je me dois aussi de vous en parler. Parce que si jamais je fais une pause de quelques jours, que vous ne demandiez pas, voilà. Ça pue vraiment hein, l'essence. Ça va me déclencher une migraine. Donc bah, je vous retrouve tout à l'heure. J'avais une jolie coiffure. Chaud en plus, hein. Je vois pas en plus derrière, ça va être une cata, c'est ça, non? Tu peux m'aider quand même. Allô? Je crois que j'ai accepté par erreur ton invitation. Ouais, je crois aussi. Je croyais que c'était celle qui était gentille. Tu vas me transformer. Ah, mais le truc, tu te coiffes et le gars il ouvre la fenêtre, les deux en même temps. Je sais, ça paraît. Futile, mais je... Non, c'est important. Oui, c'est bon. Dire qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'il y a des catastrophes naturelles. Oh, ça va, et des guerres. Ça va. Ils pensent qu'à eux, ces gens-là. Tu es très belle, comme d'habitude. Pipo. Voilà, donc je vous présente Frodon, c'est un sphinx, je suis étonnée, alors pareil, regardez par rapport à ma main, il est tout petit, alors il paraît que c'est un pot de colle, tu sais que j'ai toujours voulu avoir un sphinx, et oui, je fais des infidélités, voilà, ben moi je vais me régaler, hein. Nous sommes rentrés. 2h51, je suis fatiguée, j'ai tout le maquillage qui a coulé. Oh, ça suffit bébé, tu me fais la fête ou quoi? J'ai fait des infidélités, hein, vous avez vu? Oh, qu'est-ce qu'il était mignon ce petit chat, on a passé une excellente soirée, c'était très 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 sympa. Évidemment, vous l'aurez compris, hein, cette première partie de vlog, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi ça fait ça? C'est hyper sombre. On se retrouve dans la journée de demain. Je vous embrasse. Enfin non, à tout de suite. Alors, nous sommes le lendemain, je viens de me réveiller. Et ben voilà quoi. Qu'est-ce qu'il a recommencé? Cette fois-ci, il l'a bien creusé quoi. Parce qu'il a dû se rendre compte que finalement, c'était un cadeau pour sa mère. Mais que c'était quand même pas mal bon, c'est ça? Non, tu vas pas faire ça tout le temps. Bon, bah ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Comment? Je sais pas ce qu'il dit. Ouais, je vais ouvrir les volets. Déjà, ça pique, j'ai mal au crâne un petit peu. Wow, toi tu as déjà vu à manger parce que je me suis levée, j'ai reçu un paquet ce matin et je l'ai nourri ce garçon. Je me suis un peu recouchée, bon, j'ai pas dormi. Quelle heure est-il? Ben, il est 10h, 10h08, on va se faire un petit déj et surtout le café. Il n'y a pas à dire, le café ça s'ouvre quand même, hein. J'en ai pris deux. Et pour en revenir à hier, concernant le sphinx, très clairement je pense que j'aurai un sphinx un jour dans ma vie parce que bah, j'avais déjà, ça m'a confirmé mon choix. J'avais déjà eu l'occasion une fois dans un... vous savez, quand il y a des rassemblements avec toutes les espèces, comment ça s'appelle? Je sais plus, où tu peux voir toutes les races de chats. Et j'avais déjà eu un coup de cœur. Mais alors là, ça a confirmé avec ce petit bout. Sinon, j'attends que la voiture passe. La fenêtre est à moitié ouverte, donc c'est pour ça que ça fait du bruit. Eric est en train de faire du piano parce que, oui, je vous ai pas dit. Peut-être j'en ai parlé sur Insta.
au niveau, tous les matins, on fait répétition. Donc je chante, lui il fait piano, on s'entraîne. Et même si c'est pas long, c'est quoi, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, c'est peut-être un peu moins. Mais je trouve ça cool de s'obliger comme ça à faire les choses. Et le programme d'aujourd'hui, très honnêtement, pour l'instant, il y en a pas. Partition du morceau. Tout à fait. Et là, nous avons... La... Tablature. Non. Ah, c'est les... là où tu remets toutes les notes, quoi. Ben, j'ai rentré la partition sous forme d'événement. Chaque petit segment représente un événement. D'accord. Du côté horizontal, c'est la durée de l'événement, donc ouais, la durée de la note. Et verticalement, c'est ce qu'on appelle la hauteur de la note. Très bien. Je cherche mon bouquin partition que j'ai oublié. Peut-être je l'ai laissé dans mon bureau. Ah voilà, ça y commence. C'est bon, je l'ai retrouvé. Alors, je te demande juste de fermer. Là, il est presque... Il est quelle heure? Midi. Il va faire 39. Tu sais pas te concentrer. Mais si, mais non. C'est toi, dès l'instant, il y a une mouche qui pète à 2 km. Non, mais tu me rappelles exactement les élèves. Il y a une mobilette qui passe dans le quartier, tout le monde prend la tête vers la fenêtre. Allez, concentre-toi, Eric. Tu vas faire attaquer la 3 et la 4. Ouais. Après la 1 et la 2. We can never go. We walk through the ash. Tu passes de mieux en mieux ce passage-là, hein. C'est comme ça venir. Et t'oublies pas que t'as 13h, tu dois être chez ma maman. Hein. Oui, quelle heure ? Midi 13. Hein. Ah, tu déconnes ? Ben non, ben on lui a dit, on lui a dit. On a terminé la répète, on l'a écourté parce que, ben, vu l'heure, Eric est parti dépanner ma maman pour un petit problème informatique. Et regardez, très équilibré, popcorn caramélisé, chips, Doritos, je crois. Et ça, c'est très bon, hein. Soja, je crois qu'il y a du chèvre, poivron, petite galette comme ça, j'aime bien. Hop. Je viens de recevoir ma carte cadeau, Jiffy. Pour bah, notamment, je vous dis, aller chercher les éclairages solaires. Les éclairages solaires pour mettre dans la courette. Donc on va y aller avec Eric, je pense maintenant. Il fait extrêmement chaud. Et aussi, j'ai reçu la validation. Je vais recevoir une nouvelle box Keto, vous savez, pour préparer des repas. Je suis trop contente. C'est cool. Alors, donc, on a besoin, on répète, la déco qui fait luminaire. La lumière pour être sur le palmier et un pot, parce que l'une d'entre vous qui est fleuriste m'a conseillé, et à juste titre, parce qu'il faisait un petit peu tout pauvre notre palmier, d'acheter un pot, et on va voir ça. Mais ça sera... fait un truc, parce que... Quoi? Parce que si je te le dis, tu vas te mettre en colère. Hein? J'étais au Leclerc, et j'étais au rayon en 4K, oui. Blu-ray 4K. Pourquoi tu prends cet air grave? Tu me fais peur. Et ben, parce que c'est grave. Et j'ai regardé le Blu-ray 4K, je l'avais dans la main, j'étais prêt... Je suis prêt à l'acheter. Oui. Et là, il y a le vigile qui est arrivé. Oui. Et il a fait votre masque. Et j'étais rentré dans le Leclerc sans le masque. Tout ça pour ça, super. Bon, bah, ce fut un fail. En fait, on a trouvé ce qu'on voulait, le pot. Et également, la déco qui fait solaire. Et la carte n'a pas fonctionné. En même temps, la personne qui s'occupait des partenariats m'avait dit, je sais pas, j'ai un petit doute. Et ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, ils m'ont mis de côté des articles. Puis je l'ai recontacté, je pense qu'elle va me redonner une carte cadeau. En tout cas, on sait déjà ce qu'on veut, ça va être chouette. J'ai pas trouvé par contre la petite guirlande, mais je pense qu'on ira chez Action, il faisait trop chaud. Eric m'a dit, oh, je suis pas motivée. Mais chez Action, je suis persuadée qu'on va pouvoir trouver ce genre de truc. Et on aimerait que ce soit la petite guirlande solaire. Ouais. Je viens de m'allonger là, peut-être une demi-heure. Et bah, j'ai reçu la carte. Elle a été hyper rapide, c'est cool. 5h53. Je sais pas si on y va là ou demain. Je vais voir avec Eric. Tu m'entends? Mmh. Elle vient de me renvoyer la carte. Oui. Ouais. Tu penses qu'on y va quand? Demain plutôt ou... Bah ouais, demain matin. Demain matin? Ok. Mmh. Bon, vous l'aurez compris, hein. On ira demain matin. Bah, je vais m'avancer, comme d'hab. Regardez. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Hein? Tu fais pas des bêtises? Non, ça va, t'es couché, mais je vais quand même t'enlever. Parce que tu vas foutre des poils partout. Ben oui. Eh ben, il est presque minuit. J'ai totalement oublié de vlog. Enfin, j'ai oublié de reprendre. Je vais vous dire très certainement à demain. Je vais éteindre tout ça et on se retrouve pour un prochain vlog. Je vous embrasse, salut.